Je voudrais revenir à la réponse que vous avez donnée à André Comte-Sponville, disant que le philosophe dont vous vous sentez le plus proche, c'est Spinoza, et celui que vous préférez, c'est Platon. Parce qu'il me semble que Non, non, c'est non, le plus grand, le plus le plus grand, grand. le plus grand, bien sûr, le plus grand. Oui. Celui dont vous vous sentez le plus proche, c'est Spinoza, mais celui que vous considérez comme le plus grand, c'est Platon. Parce que cet écart me paraît extrêmement significatif de la manière dont vous comprenez finalement l'exercice de la rationalité. Parce qu'on a d'un côté, on a Spinoza, qui d'une certaine manière nous propose le système le plus rationnel qui soit, qui est un système de la nature. Et puis de l'autre côté, nous avons Platon, dont vous avez dit que chez lui, la raison imagine, que chez lui, la raison captive. Et on sait que Platon a dit dans le Phèdre qu'il y avait une émotion philosophique particulière qui conduisait le philosophe et qui était la mania, n'est-ce pas, qui était le délire. Alors, ça me paraît très intéressant que vous ayez tout de même reconnu en Platon ce philosophe le plus grand, celui qui, justement, ne conçoit pas que la philosophie puisse s'exercer comme un pur exercice rationnel, parce que si elle était un pur exercice rationnel, elle se déroulerait dans l'élément de la preuve et nous aurions une possibilité d'enfermer la nature dans un système qui en rendrait compte absolument. Or, vous insistez au contraire beaucoup sur le fait que la nature ne peut absolument pas être portée à l'unité, que nous ne pouvons pas porter un discours sur la nature, que nous n'avons pas de possibilité de survoler la nature. Hein. Elle ne peut pas être l'objet d'une pensée de survol. Et c'est là où peut-être justement vous rejoignez l'artiste, parce que qu'est-ce que fait l'artiste finalement? Eh bien, vous l'avez dit là, quand on est enfermé dans un monde particulier, le monde du paysan, on ne voit pas la nature. On l'utilise, on l'exploite, on a un rapport à elle qui n'est pas un rapport de regard. Le rapport de regard, c'est celui de l'artiste et du métaphysicien qui porte un regard sur la nature. Et qu'est-ce qui se passe dans l'œuvre d'art, qu'elle soit figurative ou non d'ailleurs? La nature vient au jour, elle apparaît. Alors que nous ne la voyons pas, parce que nous sommes tous enfermés dans nos mondes particuliers, dans le monde de nos activités. Alors c'est là, moi, où je vois précisément cette très étrange et paradoxale alliance du métaphysicien et de l'artiste, qui, par le regard singulier qu'ils portent sur la nature, sont capables, par leur propre singularité, d'accéder à l'universel. Et c'est ça que moi je voudrais souligner. Et j'aime beaucoup cette critique que vous faites des particularismes, mais il ne faudrait pas, en quelque sorte, confondre singularité et particularité. Parce que vous, Marcel Conche, vous êtes un être évidemment éminemment singulier, et c'est dans votre singularité que vous avez, accédé à cette pensée de la nature qui vous est propre. Voilà, alors Oui. c'est d'une certaine manière pour moi intéressant de voir que Platon, qui est précisément le philosophe du désir de la vérité, est demeuré pour vous le plus grand philosophe.